Alors. Pure pour la petite quête secondaire. What will it be? You can take what's left. Oh! Ah oui! Mais je peux pas l'utiliser, ça sert à rien au final. On peut pas passer au niveau 25, on peut pas atteindre ça quoi. C'est un peu dommage. Rip. Rip, rip, rip. Petite gaufre sucrée, ça fait du bien. Oh là! Tiens, je l'avais pas fait lui. Yes, you. Come now. Don't be shy. I need your help. The damned fanatic Thea stole my eyes. She wears them around her neck. And what horrid suffering I've witnessed. Please, no more. There's so much blood, I can't. You must believe me. I can still see from them. Thea and her flock have grown strong in Ostrava. Please, bring me back my eyes. Mais il veut qu'on lui refoute un genre dans les orbites, hein. C'est dégueulasse. Tuer Thea et récupérer collier 2. Le groupe doit conquérir ceci, Nostrava. On arrive. Le groupe. Est-ce que je suis pas un groupe à moi tout seul? Moi, je pense que si. Je pense que je suis un groupe autosuffisant. Rêve de boomer, Ada. Tu as fait ressortir le boomer qui était en toi là. C'est beau. Astérix. Astérix est là. J'ai pas été voir le dernier d'ailleurs. J'avoue que pour une fois, je me suis un peu laissé influencer. J'ai vu tellement de mauvaises choses dessus, y compris des spectateurs, hein, pas tant de la presse, hein, mais des spectateurs, que ça m'a un peu déprimé d'aller voir quoi. Parce que généralement, si par exemple tu prends sur Allociné, faut toujours se rappeler d'un truc, les gens sont horribles. Donc quelque chose est bien noté, c'est que c'est très bien quoi. Mais là c'est vraiment très très mal noté. Parce qu'il y a des gros nanars qui sont éclatés par la presse, mais qui sont bien mis en avant par les spectateurs. C'est une ourge carrément. Putain, c'est terrible les ourges. Une purge à ce point là. Peut-être que je le regarderai un jour en téléchargement. Et c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma français, je crois, c'est ça? C'est moche quand même. C'est moche pour le cinéma français, là, Jupin. Comme quoi, hein, tu peux avoir du pognon, t'auras pas pour autant un bon scénario. Hein. Qui va rarement de base à Ada, je suppose. J'arrête pas de voir des pubs sur lui, c'est la rigolo. Ah mais j'avais pas vu, attends, je dois tuer le boss. 50 secondes. Large. J'arrive. Ah ouais, mais s'il se casse aussi. Mais il va où? Mais reste là. Voilà. Ah, le coffre.
Mais j'ai l'impression qu'ils ont juste cru qu'ils ont fait une grande vidéo TikTok en fait. Ce qui me fume un peu. En gros, ils ont fait des sketchs YouTube, tu sais. Ils ont oublié qu'ils avaient tout un film à faire tenir debout, quoi. Alors, c'est parti. Bah. Oh là. Mais. Bah, comment j'y vais alors? Bah, je veux bien le conquérir le truc, mais je le conquéris comment? Je le conquis comment? Oh, je le connais même pas, Corben. Putain, t'es vraiment un vieux aussi, Corben. Que des vieux, bordel, sur cette chaîne. Que des vieux. Ah, faut passer là-bas pour conquérir. Oh, bordel. Que des boomers, cette chaîne. Pourtant, c'est un bon acteur, pour le coup, à Jeremy Irons. Chier de bon film. T'as une Chitoru. Ah, bah voilà, du jeune. Ça nous casse du boomer, ça. On a du jeune qui se ramène. Bim. Terrible, ça. Ça va être trop. C'est vrai qu'avec la compétence de fin principale, ça va être grave clair. J'ai 25 ans. T'as 25 ans, Vince, ou c'est une blague? Ah, parce que Nishitoru, il a 19, c'est pour ça, là, c'est un. Mais Nishitoru par contre il a 19, il a du diabète mais il l'assume pas encore. Il ose pas aller voir le toubib. Va voir le toubib Nishitoru, j'ai pas oublié. Je pisse toujours toute la nuit. Si vous vous réveillez 14 fois pour pisser la nuit alors que vous avez 19 ans, c'est qu'il y a un problème les gars, je vous le dis, c'est pas normal. Allez voir votre toubib putain. J'ai 35 ans et je me réveille jamais pour les pisser. Je me réveille une fois tous les 6 mois pour les pisser la nuit. Alors, je suis beaucoup plus proche du double en vrai ice. Ah bon? Ah ouais, donc t'es bien chez Fatal en fait. T'es à ton aise chez Fatal. Alors. Ok. Alors, vous pouvez rien faire contre moi, vous le savez juste pas encore. Salut à côté Ken. Il est mort le boss? Attendez. Tu es Teya. Bah oui, mais elle est où? Mais. Attendez, explorer la maison des villageois. Alors. Attendez. Tu es Teya. Elle est sortie. Elle est là, Teya, non? Ah non, aïe, je vais débloquer un donjon après ici. Oh. 48 le 4 juin et Bibi meuf la sortie de D4, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Encore du boomer. Toujours du boomer cette chaîne de façon. Explorer les maisons, les villageois. Bon, on fera ça après. Encore du boom, encore du travail. Bonjour. Bon, bonjour. Par ici à l'aide. Pourquoi vous m'attaquez? Torvala, il y a un boss là dans le coin. Non, je sais pas où il est, mais je crois qu'il y a un boss. Attendez. J'ai cru voir un boss pendant un instant. YouTube, ça doit pas être ça. What the fuck? Ok. J'ai cru voir un boss. Là, je suis dans la tête. Il est où le boss? Détruisez les effigies démoniaques. Bon travail.
Ah mais je peux même attaquer la porte. C'est ça, un Rominet. J'ai cru voir un Rominet. Putain, j'ai vraiment l'impression d'apporter le Blizzard avec moi, quoi. C'est impressionnant. Ah bah là, oui, oui, bah là, on a les rêves de bon cinquantenaire, là. Bientôt, Ada, bientôt, bientôt. Non, je vais te tuer. J'ai tué ton mari. Et je vais te tuer toi maintenant, parce que visiblement, c'est ce qu'on fait dans le jeu. On tue les gens. Ok, encore deux effigies. On va voir si j'arrive à gérer le boss de fin en solo, parce que logique, là je suis en train de prendre une forteresse. Ça va créer une ville derrière, ce qui va être assez stylé en soi. Bien sûr, sachez plus au point d'exclamation, planning. T'as tout en détail sur le planning. Vendredi, ça sera le druide, et samedi, ça sera le nécro. Logiquement, j'aurais monté toutes les classes 25 comme ça. Disciple de mer corrompue. Tozira. Ah, mais il y a une barre de boss en haut. Cassez-vous! Faut rien me faire, de toute façon! Je suis un match de glace! Invulnérable, moi! T'avais cru quoi, là? T'avais pris pour un twist? Cassez-vous! Ça demande enfin un peu de skill, le mage. C'est cool. C'est cool, c'est cool! Oh, merci. Ah non, t'as j'en ai un. Ah bah non. Full lag, hein. Quoique c'est vrai que je peux extraire le pouvoir pour le remettre sur un autre. Donc en vrai dès que j'aurai un torse avec un haut niveau de... Avec un haut niveau, je pourrais mettre ce pouvoir là de toute façon. C'est vrai que tu passes quoi qu'il arrive en légendaire en plus, donc c'est assez stylé en vrai. Alors, Négala, élu de Lilith. Oui, alors, attendez. Je prends l'idée. Elle est où? Oh là, avec invoquer ses petites sœurs. Trop stylé. Il y a les frangines. C'est bien, les, c'est bien la famille. Moi j'en ai plus, mais ça a l'air pas mal comme truc. Pas de problème, moi aussi j'ai mes copines, elles s'appellent des lames de glace. Là pour vous les mettre dans la poire. Que vous voulez, mesdames de glace. Vous ne tuerez pas. Vous ne tuerez pas. Marche pas comme ça. On n'est pas chez McDonald's ici. Voilà. Ah, mais elle a beaucoup d'amis cette madame. Allez, salut! Trop facile. Raviver le sanctuaire du rôdeur pour conquérir Nostrava. Avec grand plaisir. Bon bah voilà, comment capturer une ville en solo. C'était trop bien. C'était trop bien! Ok, donc là, nouvelle ville pour moi. Boum. Ah, ça que j'ai pas fini tout en vrai. Ah, oui, mais c'est les niveaux difficulté 3 aussi. Je pourrais y faire à ça.
Ah oui, relais 6 sur 7, bastion 1 sur 3, 4 secondaires 15 sur 35, zone découverte 44-77, donjon secondaire. Attends, il y en a 3. What? J'ai fait que 8 donjons sur 23? Il y a de quoi faire en fait. Ouais. Il y a de quoi faire de fou en fait. Oh lolololo, il y a peut-être, même peut-être des boss que je connais pas. Mais go. Bon appétit. Pourquoi? Parce que j'ai plein de contenu. Go là. C'est parti. Pourquoi bon appétit, ça m'intrigue. Là le torse il est pas mal à 337. Il est pas dégueu du tout celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau devant, là? Bonjour. Je pense qu'une bonne merde de se présenter, ça. En vrai, si je suis un personnage hardcore, je pense que ça sera mon mage aussi. Enfin, je ferai peut-être un deuxième mage, mais hardcore ce coup-ci. Hein. Parce que ça, c'est un gros coup qui va être chouette. Hein. Mais le hardcore en stream, c'est dur. Hein. Parce que tu tournes la tête, t'es mort, quoi. Donc, pas simple, simple hardcore en live. Parce que déjà, de base, faire du hardcore, c'est quand même pas simple. Tu meurs, ton personnage, salut, au revoir. Mais alors, en live, ça aide pas. Hein. C'est plus simple pour les gros streamers qui lisent pas leur chat. Alors, il faut une clé pour ouvrir cette porte. Alors. Bonne soirée, Minimeux. À bientôt. Me manque 6 4 secondaires, ça m'énerve. Ça m'énerve. Elle est tellement belle, la zone. Il n'y a pas de coulis avec mon cheesecake. Oh, ils ont l'air énervés, eux. Oh, j'avoue, mais un world boss en hardcore. Oh lolo. Ouais, tendu quand même. Hein. Bien vu, mais flippant en soi. Un world boss en hardcore. Ok. Hein. Ok, j'ai tué Teya, c'est bon. Faut y aller avec une sacrée paire de coronets quand même. Hein. Une sacrée paire d'ovaires pour mesdames, mais le world boss. Ah ouais, tu le mérites ton loot hein. Aïe aïe aïe. Mais c'est ballsy hein. J'avoue, moi j'aime bien ce genre de truc. Hein. C'est ballsy. Tiens, j'ai pas eu le temps de regarder, Ada, les tests ont été intéressants alors avec ce cure ou pas? Pour la régie à distance. Tout un marché, magnifique. Est-ce que je dois nommer ce cure un nouveau employé du mois comme, de, comme tous les mois depuis 7 mois, ça devient chiant. Tout employé du mois. C'est le problème d'avoir un seul employé, hein. Il est souvent employé du mois. Il contrôlait mon OBS depuis sa campagne. Pour la blague, vous viviez pas très loin, je crois. Attends, toi t'es à Toulouse et Socure aussi, non? Je crois que pour la blague, vous viviez pas loin l'un de l'autre. Ça n'a rien à voir, mais c'est genre en mode. Oui, contre ton OBS, bah, viens à la maison, il fait pas chier. Il est dans la campagne du, au sud-ouest. Ça dépend si tu te contentes de 6 scènes. Ah, j'ai cru lire un truc. Bah, en vrai, 6 scènes, c'est déjà pas mal en soi. Hein. Quoique le problème, c'est qu'on a intro à outro, ça fait déjà 2. Donc ça voudrait dire 4 scènes... Non, en vrai, 6 scènes, c'est le short. En vrai, il faudrait plus de 6 scènes, je pense. Parce qu'il y aura genre... caméra d'ensemble, caméra sur moi, il y a le full face... que les jeux... Les 4 jeux... Ouais, faut plus de 6 scènes. À 100%. Sûr et certain.
il y aura vraiment plus de 6 scènes. Presque le double, je dirais. Entre, je dirais 10, 12 scènes. Différentes pour une bonne régie. On parle du point d'exclamation LAN, les viewers. Parce que je suis en train de créer une régie pour ça avec Adar, Alex et Socure. Et ça va être stylé. Tu peux lui prêter un stream deck. Après, globalement, il le réutilisera. Donc autant lui, autant que j'en offre un. Et que. On le fera passer en note de frère. Au pire, il s'en achète un, il le fait passer en note de frère. Et parce que ça sera sûrement réutilisé à d'autres moments. Quoi, donc, ouais. Le stream deck, tu vas avoir ce cure, hein, c'est très simple à utiliser. Hein. Y'a que moi, je mets les coups de hache dedans, mais c'est parce que je suis un peu. Oula, bonjour! Au moins, ils sont morts ensemble, écoutez, hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Putain, c'est bien gore le jeu quand même. Hein. Il a un stream deck, s'il touche sur son clavier. Ouais, il m'a dit avec les macros, c'est ça. Enfin, j'ai cru lire, j'ai lu vite fait pendant ma pause. Ouais, non, là, il faudra le stream deck classique, quoi, c'est 12 touches. C'est impeccable. Bon, y'a un boss stylé ou pas ici? Je veux des boss. Je veux des boss. Plein de boss. Mais moi des boss. T'es sur le live Natat ou pas à côté? Oh, regarde même pas le stream maintenant. Non. Alors, oh, deux gros bibis. Il arrive tellement pas à me toucher. C'est la ouais. Vraiment les dégâts, c'est surréaliste. Ah. Ah mais c'est Ada qui me spam la JPP. JPP de toi, stop spammer Discord là. C'est quand je joue le plateau que tu as kickstarté, je crois qu'il y avait une photo d'un rat dessus. Ah Off Sworn. Attends, Off Sworn. Voilà, Kickstarter. C'est ça. J'ai trop hâte. Ça a l'air, c'est un jeu, un RPG coopératif, donc de plateau, dans la Dark Fantasy. Ça a l'air absolument fabuleux. La vidéo ne se lance absolument pas, mais je vous promets que je l'ai l'air trop bien. Ah merde, ça lance, il en a après. Tellement de classe aussi, ça a l'air trop stylé. Ça a l'air trop cool. On a pris la totale en plus, l'énorme pack là. C'est Late Pledge. Tu vas juste sur Late Pledge et tu prends là. Late Pledge en gros c'est quand un projet en fait a été un succès, tu peux encore entrer dans le projet. Et voilà, regardez un peu à quoi ça ressemblait. Là toutes les classes, donc il y a 16 classes. 12 classes, excusez-moi, je suis nul en maths. The best campaign game ever, tiens. Et nous, on a pris globalement. Alors, attends, ce qu'il faut que tu prennes. Enfin, nous, on a pris tout le jeu, c'est ça, voilà. On avait pris ce truc-là. Et là, je crois qu'il y avait la totale, là, si j'ai pas de bêtises. Collectors All-In, c'est ça. 65 heures de campagne. Ouais, t'es pas obligé de prendre aussi cher. Mais c'est vrai que les gros jeux de plateau, généralement, enfin, ça coûte cher, mais après, nous, on les achète à plusieurs. À chaque fois, on divise le prix par tous les participants, quoi.
Ah oui, c'est vrai que je peux prendre un bâton jaune, lui caler un aspect, ça le passe en légendaire si je dis pas de bêtises. Et donc pour faire ça, c'est quoi mes aspects? Mais pour faire ça, en fait, il faut que je vois. Ça, j'en ai que deux, quoi. Les éclats de glace perforent 3 fois les aspects. J'arrive pas à comprendre ce truc. Perfore 3 fois les adversaires en infligeant 25%. Mais il les perfore déjà de base, il me semblait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre ce truc. Tiens, attends, je vais essayer juste pour voir. Avant de tout death. Ah oui, je voulais mettre mon torse aussi. Ah, mais 15 de dextérité, 37 d'épines, quoi. Je suis un mage. Est-ce que je m'en bats les couilles, ces épines? Non, il perfore pas. Ah.